de football de la ville. Vous savez comment le football est incontournable dans le domaine du sport et dans une ville. Et bien entendu, dès que quelque chose se passe au sein du club, la ville y est très attentive. Et elle a été effectivement très prompte à réagir après cette affaire, puisque dès vendredi, la ville se constituait partie civile dans l'affaire du SCO. De ce fait, en se constituant partie civile, nous avons pu avoir accès à l'intégralité du dossier de 4000 pages. Hein, vous imaginez, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer, que ce qu'on peut penser. Et ainsi, on a pu forger aussi une idée plus fiable de ce qui est en jeu dans ce procès. Ce qui est reproché à Willy Bernard, la nature des infractions, l'ampleur des infractions, et surtout au final, pourquoi certaines informations nous manquaient. Alors, du fait de la complexité du dossier, je vous l'ai dit, 4000 pages, c'est extrêmement complexe, la ville d'Angers a souhaité tenir ce point presse avec ses deux avocats, qui sont là à côté de moi, pour démêler un peu les chevaux de tous les éléments qu'on a pu lire ici ou là ces derniers temps, et donner surtout accès aux Angevins qui l'attendent, les informations qu'ils sont en droit de recevoir et d'entendre. Donc ce soir, c'est un éclairage technique sur le dossier, là j'insiste bien, technique, parce que le débat politique, bien entendu, qui viendra en son temps, aura certainement lieu au conseil municipal du 28 février. Hein, puisque là, nous pourrons effectivement en débattre politiquement dans l'enceinte prévue à cet effet. Voilà. Donc voilà en guise d'introduction là, pour la raison de ce point ce soir. Et puis je vais maintenant laisser la parole à nos deux avocats. Merci.